Amen. Venez vous asseoir. Merci. Salue ton frère à côté de toi. Dis-lui, je vois la gloire de Dieu sur ta vie ce matin. Dis-lui avec conviction, s'il te plaît. Merci aux chantres. Comme je disais tout à l'heure, vous faites un bon travail et nous vous apprécions. Alléluia. On peut les acclamer, s'il vous plaît. Merci. Je voulais bénir Dieu pour cette église, bénir Dieu pour vos vies. Je voulais également remercier le premier responsable de cette église, le pasteur Yvan. Que Dieu bénisse sa vie, tous les responsables de cette église et tout le travail formidable que vous faites. Je crois que j'ai vu l'affiche de votre programme de femmes. Je crois que ce sera un très grand programme. Je connais bien sûr celle qui arrive de la Côte d'Ivoire, qui fait un travail extraordinaire au niveau du social. Et je pense que vos vies seront impactées. Donc, je suis Alexandre Amazou de l'Alliance biblique missionnaire du Côte d'Ivoire. Et à chaque fois que je passe à Paris, c'est pour moi un plaisir d'être avec vous. C'est pour moi une source de motivation à venir ici, parce que j'apprends également quand je viens ici. Et donc, je veux bénir Dieu pour vous. Amen. Tout à l'heure, on a partagé la parole de Dieu sur ce thème. Ta décision déterminera donc ta saison. Nous allons voir également ce thème à ce culte. Ta décision déterminera ta saison. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un message à plusieurs parties, mais j'ai juste pris cette partie pour vous amener à saisir l'essence de ce que je veux dire ce matin. Donc, notre texte de base, c'est 2 Rois 4 à partir du verset 1. Nous allons donc prendre nos Bibles et nous allons examiner 2 Rois 4 à partir du verset 1. Nous faisons la lecture. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole du Seigneur? Donc, nous parlons ce matin de ta décision déterminera ta saison. Voyez-vous, les saisons varient en fonction, bien sûr, des personnes. Dans cette salle, nous n'opérons pas tous sous les mêmes saisons. Ton voisin à côté peut avoir son ciel ouvert, et toi à côté, l'autre à côté peut avoir un ciel fermé sur sa tête. Donc, en fonction des choix que nous faisons dans la vie,
nous ouvrons devant nous une saison. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Voilà pourquoi les choix dans la vie sont très importants pour ce qu'un homme deviendra. Pourquoi? Parce que les choix sont le résultat d'un processus qui commence par les idées auxquelles on s'expose, ce qui nous façonne nos pensées et qui nous conduit dans nos façons de penser et d'agir, nos habitudes, nos attitudes, nos actions. Donc, quand un homme pose un acte, cela vient de loin, et ce sont ces choix-là et les actes qu'il pose qui ouvrent une saison favorable ou une saison défavorable. Est-ce qu'on peut dire amen? Et dans la vie, nous sommes exposés à des choix au quotidien. Et c'est le cumul de ces choix que nous faisons qui détermine enfin ce que nous sommes, ce que nous expérimentons dans la vie. Et ce matin, quelle que soit la saison qui s'est ouverte devant toi, par tes choix, tu peux changer les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les choses peuvent changer ce matin. Dis amen plus fort. Et je le crois. C'est pourquoi je te le prêche. Parce que j'ai vu également dans ma vie des choses changer. Il n'y a rien d'impossible sous le soleil. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand on lit cette histoire, il y a beaucoup d'enseignements importants que nous pouvons en tirer. Voilà une dame. La Bible fait des descriptions. La Bible dit qu'elle est femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Vous voyez, toutes ces précisions-là, ce n'est pas fortuit. C'est pour que tu puisses arriver à une compréhension d'un certain nombre de vérités que la Bible veut te révéler. Parce qu'elle aurait pu dire simplement une femme et aller voir le prophète. Mais on dit une femme d'entre les femmes des fils. Ça veut dire qu'elles étaient plusieurs femmes, mais celle-là particulièrement avait un problème. Elle était femme de fils de prophète. Donc femme de prophète, donc elle était madame pasteur. Elle connaissait l'alliance, elle connaissait Dieu. Elle marchait dans l'alliance abrahamique. Mais la Bible dit, elle est allée voir le prophète en disant au prophète, « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Donc son serviteur qui connaissait Dieu est mort, bien sûr. Et donc cette femme traversait des difficultés. La Bible dit, ses enfants étaient sur le point d'aller en esclavage. Et donc, en réfléchissant, je me suis rendu compte que le fait de connaître Dieu, le fait de marcher avec Dieu, ne nous affranchit pas de tout. Parce que voilà une dame qui connaissait Dieu, voilà une dame qui était dans l'alliance abrahamique, voilà une dame qui avait son mari qui était prophète, mais cela n'a pas empêché cette femme d'avoir des difficultés et de voir ses enfants aller en esclavage. Et je fais ce point pour dire, le fait d'être dans une église, le fait de travailler dans une église, le fait d'être là et de servir Dieu est déjà une très bonne chose. Mais il faut aller au-delà d'être présent dans une église et de travailler dans une église. Alléluia. Parce que cette femme connaissait Dieu, mais cette femme avait des soucis. Souvent les gens se plaignent pour dire, ah moi je marche avec Dieu. Je paye ma dîme, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive, pourquoi je souffre, pourquoi il y a ce problème dans ma vie. Alléluia. Le fait d'appartenir à Dieu ne suffit pas. Il faut comprendre un certain nombre de vérités. C'est la compréhension de la vérité qui a franchi. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle de la vérité, mais c'est la compréhension de la vérité qui a franchi. Et comprendre la vérité est très important. Ce matin, je suis venu vous dire, il ne faut pas être déçu. Parce que dans tous les cas de figure, la vérité, elle est là. Tu ne la comprends pas, tu vas la subir. Et Dieu ne changera pas. Il est assis toujours dans le ciel, il règne. Tu me diras, mais qu'est-ce qui a fait que cette femme a eu tant de difficultés? Parce qu'on dit une femme d'entre les femmes. Ça veut dire que les autres n'avaient pas autant de difficultés qu'elle. Mais si la Bible précise que cette femme était femme d'entre les femmes, ça veut dire que les autres éventuellement avaient fait ce qu'elles avaient à faire et leur situation était meilleure. Dites amen. Et j'ai souligné un point important, c'est que lorsqu'elle est allée voir le prophète pour dire « Prophète, j'ai des difficultés », le prophète lui a donné un certain nombre d'instructions pour sortir sa vie
des difficultés. Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui a affranchi cette femme? C'est lorsque son problème financier a été résolu. Et j'ai fait ce point. Je m'explique. La liberté, elle vient, bien sûr, dans notre appartenance à Dieu. Mais lorsqu'on donne notre vie à Jésus et qu'on arrive à la compréhension de la vérité de la Bible nous renvoie à d'autres vérités importantes qu'il faut comprendre. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre la Bible et dire « Je suis arrivé à la parole de Dieu, je lis la Bible. » Oui, mais en lisant la Bible va t'amener à d'autres vérités qui vont t'aider à avoir un affranchissement global. Cette femme connaissait Dieu, mais éventuellement cette femme ne comprenait pas le principe de la prospérité. Donc, sa disette financière l'a envoyée ou l'a conduite dans des problèmes qui ont fait que ses enfants devaient être vendus en esclavage. Donc, la liberté financière est très importante pour une liberté totale. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je fais ce point-là, par exemple, pour vous montrer. C'est un exemple. Un peuple qui a une voix qui porte est un peuple qui a un pouvoir financier. Quand vous prenez, par exemple, j'ai donné l'exemple des États-Unis, vous allez voir qu'aux États-Unis, quand un président doit être élu, il se présente toujours devant le Congrès des Juifs pour présenter son programme, pour expliquer pourquoi il faut qu'il soit élu. Mais pourtant, les Juifs ne sont pas, en termes de pourcentage, supérieurs aux Noirs. Mais pourquoi tant d'importance accordée aux Juifs? Parce qu'ils ont un pouvoir financier. Mais qui va devant les Noirs? Ils n'ont même pas de congrès. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir financier. Donc le pouvoir financier est un pouvoir qui libère. Et cette femme, son problème ici, ce n'était pas qu'elle ne connaissait pas Dieu. Elle connaissait Dieu, mais elle n'avait pas d'argent. Et cela pour t'amener à une compréhension d'une vérité simple. Tu n'as pas le droit de ne pas avoir. Tu n'as pas le droit de ne pas prospérer. Dites amen très fort. C'est important de prospérer. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc voilà une femme qui connaissait Dieu, mais qui croupissait sous le poids des difficultés. Parce qu'elle n'avait pas compris une vérité. Ce matin, que l'ignorance ne soit pas ton partage. Elle va voir le prophète. Et le prophète lui pose deux questions. Ce texte, c'est subtil. Les questions du prophète sont subtiles. Parce que quand tu lis le texte, tu ne fais pas attention aux questions. Première question, que puis-je faire pour toi? Deuxième question, qu'as-tu à la maison? Parce que vous allez voir qu'il y a deux points d'interrogation. Le premier point d'interrogation, c'est « Que puis-je faire pour toi ?» Point d'interrogation. Ensuite, « Qu'as-tu à la maison ?» Deuxième point d'interrogation. Donc, dans la même phrase, il y a deux questions. Et ces deux questions s'adressent à tout enfant de Dieu qui veut changer sa saison. J'ai dit, ton choix déterminera ta saison. Cette femme avait besoin d'un changement de saison. Le prophète lui a posé deux questions. Il fallait faire un choix. La première question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Deuxième question, qu'est-ce que toi tu peux faire? Les hommes aiment bien la première question. La plupart des chrétiens choisiraient la première question, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as un certain nombre de doléances que tu me feras tout de suite. Pasteur, ça ne va pas dans ma vie, prie pour moi. Pasteur, j'ai besoin d'aide. Pasteur, vois le comité financier qu'on m'apporte de l'aide parce que ça ne va pas du tout. Pasteur, aide-moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, pose-moi les mains. Pasteur, fais ça pour moi. Et voilà, c'est parce que la plupart des chrétiens sont dans cette perspective-là qu'il y a souvent des problèmes dans l'église. Parce qu'ils ont une attente. Ils aiment bien cette première question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais regardez, la dame, elle n'a pas répondu à la première question. Elle a choisi la deuxième question qui était, qu'as-tu à la maison?
La première question, c'est ce qu'on peut faire pour toi. Et je veux te dire, si tu restes attaché à cette question, les gens feront pour toi, mais tu seras toujours limité. Parce que ce qu'un homme peut t'apporter va t'amener jusqu'à un certain niveau. C'est tout. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand vous lisez Actes 3, le paralytique qu'on transportait tous les matins, les hommes le prenaient, on le déposait où? Devant la porte. La seule chose que les hommes peuvent faire pour toi, c'est de déposer toujours à la porte du temple. Mais c'est Dieu qui peut te faire entrer. Quand Dieu l'a rencontré, il est rentré. Quand le Seigneur l'a rencontré, il ne s'est plus assis là, il est rentré. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il faut t'affranchir de ce que les gens peuvent faire pour toi. C'est bon pour un temps, mais à un moment donné, tu ne peux pas rester là, sinon ta vie sera limitée. Cette femme a compris, sûrement elle a eu de l'aide dans sa vie. Elle s'est dit, mais si je demande encore au prophète de prier pour moi ou de m'apporter un soutien financier, ça sera bon pour aujourd'hui. Mais et demain, qui va m'aider? Je serai obligé d'aller encore vers lui. Donc la véritable indépendance indique que ce monsieur-là, au lieu de me donner du poisson, qu'il m'apprenne à pêcher. Alors, elle prend la deuxième question. Et quelle est la deuxième question? Qu'as-tu? Elle dit, ah, j'ai... Mais, voyez, quand elle répond à la deuxième question, elle fait encore une erreur. Elle dit, ta servante n'a rien du tout. Mais heureusement, elle utilise un petit mot qui est fort, mais. Il y a quand même quelque chose qui traîne là qu'on appelle de l'huile. Heureusement qu'elle a utilisé le mais. Le mais, il ne faut jamais l'oublier dans ta vie. Tu peux tout dire, mais garde le mais quelque part. Ça ne va pas, Seigneur, je souffre, mais Dieu est fidèle. Ça change tout. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Ça change tout. Le mais annule les premières confessions et tient compte de la dernière. Donc tu peux parler, 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 parler. Mais je crois quand même en Dieu. Le reste là, on ne considère plus. Dites amen. Elle a utilisé le mais. Elle dit, ta servante n'a rien du tout. Si elle s'était arrêtée là, sa saison n'aurait jamais changé. Mais elle a ajouté le mais. Il y a quand même quelque chose qui traîne. Et c'est ce quelque chose qui a changé son histoire. Et quelqu'un est sur le point de voir son histoire changer ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui croit que Dieu est sur le point de changer son histoire? Alléluia. Dieu est sur le point de changer ton histoire. Mais ta servante a quelque chose. Parce qu'elle avait quelque chose. Et ce matin, tu as quelque chose. Dis à ton frère à côté de toi, tu as quelque chose. Frère, je te dis que tu as quelque chose. Souvent, les hommes ignorent qu'ils ont quelque chose. Je dis et je le répète, Dieu ne fera jamais pour toi en dehors de toi. Tout problème que Dieu règle dans la vie d'un homme, toute solution que Dieu apporte à un homme, cet homme est au commencement de la solution. C'est-à-dire, Dieu ne fera rien pour toi sans tenir compte de toi. Voilà pourquoi, pour changer la vie de cette dame, le prophète voulait que cette femme enlève son regard sur l'extérieur et pointe son regard sur sa propre maison. Il y a quelque chose que tu as que Dieu va utiliser pour changer ta vie. Arrête de regarder à l'extérieur, de regarder à un homme. Un homme ne peut pas t'aider. Une institution ne peut pas t'aider. C'est Dieu qui peut t'aider. C'est pourquoi ce matin, regarde à toi. Il y a quelque chose dans ta maison. Il y a quelque chose dans ta vie qu'on appelle ton huile. Dis, j'ai mon huile quelque part. Cette femme avait son huile quelque part dans sa maison, mais elle ne le savait pas. Elle ignorait qu'elle avait quelque chose. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons quelque chose. Parce que Dieu dépose toujours dans la vie d'un homme son huile. L'huile, c'est ce qui reste quand tu as tout perdu.
L'huile, c'est ce que Dieu a déposé que personne ne peut te prendre. L'huile, c'est ce qui fait ta spécificité. L'huile, c'est ce qui fait ta différence. L'huile, c'est ce qu'on ne peut pas te voler, que tu dois toujours identifier, parce que c'est sur ça que Dieu va s'appuyer pour changer ton histoire. Cette femme avait son huile quelque part dans la maison. Tu as ton huile ce matin. Dis à ton frère, tu as ton huile ce matin. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Mais je suis venu te dire qu'il y a quelque chose que tu as sur lequel Dieu va s'appuyer pour changer ta vie. Identifie ce que tu as. Il y a quelque chose. Il y a un talent. Il y a un don. Il y a quelque chose quelque part. Et c'est sur ça que Dieu va changer ta vie. Non pas sur ce que le voisin a. Cette femme avait son huile. Quelque part dans sa maison, il y avait de l'huile. Est-ce qu'on peut dire amen? Elle dit, ta servante a quelque chose quelque part. De l'huile. Il dit, c'est suffisant pour que Dieu fasse le miracle. Maintenant, il lui dit, sors et va dehors. Vous voyez qu'il y a des instructions que le prophète donne. Première instruction, regarde à ta vie. Pour sortir d'une situation difficile, pour changer de saison dans sa vie, la première attitude que tu dois avoir, ce n'est pas courir, c'est t'asseoir et regarder à toi-même. Deuxième instruction, maintenant que tu as identifié l'huile, l'élément sur lequel Dieu va s'appuyer pour changer ta vie, tu peux aller maintenant dehors. Dehors vient en deuxième position. Il dit, va dehors. Va emprunter maintenant dehors des vases chez tous tes voisins. N'emprunte pas en petit nombre, emprunte en grande quantité. Donc, elle a identifié son huile. J'ai dit, l'huile, c'est ce que tu as quand tu as tout perdu. L'huile, c'est ce que Dieu dépose dans ta vie qui t'appartient, qui fait ta spécificité. Donc, elle a identifié sa force. Elle a identifié son huile. Frères et sœurs, je suis venu vous dire ce matin que vous servez un Dieu qui est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen plus fort? Quand Dieu vient à un homme, Dieu vient toujours à lui dans sa force et non dans sa faiblesse. Voilà pourquoi même cet homme qui était assis à la porte du temple, lorsque les disciples sont arrivés face à lui, ils ont fait quoi? Ils lui ont simplement dit, nous n'avons ni or ni argent, mais on a quelque chose. Ce qu'on a, on te donne. Ils ont saisi cet homme par quoi? Par sa droite. La droite, c'est le symbole de la force. Ils l'ont saisi dans sa force. C'est dans sa force qu'ils l'ont relevé. Dieu, quand il vient à un homme, il vient toujours à toi dans ta force. C'est pourquoi il faut toujours identifier ce qui fait ta force. Parce que quand Dieu doit changer ta vie, ce n'est pas sur ta faiblesse qu'il partira, il partira sur ta force. Et ce matin, il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas de force. Je suis venu te dire que tu as une force. Même si les hommes t'ont méprisé, même si les hommes t'ont fait croire que tu n'es rien, je suis venu te dire qu'il y a quelque chose que tu as. Il y a une force que tu as. Identifie cette force. Élève cette force. Alléluia. Appuie-toi sur ta force. Cette femme avait une force. Son huile. Le prophète dit, ça me suffit. Alléluia. Alléluia. Moïse avait une force, mais il ne le savait pas, son bâton. Le même bâton qui est devenu un serpent dans sa main. Mais à un moment donné, il a ignoré le bâton. Dieu lui dit, mais tu cries à moi, pourquoi? Étends ta main. Il y a quelque chose dans ta main qu'on appelle le bâton. Alléluia. Alléluia. Il dit, va dehors et emprunte des vases. Mais emprunte en grande quantité. Le vase représente quoi ici? Le vase, c'est ce que les autres ont que tu n'as pas. Elle avait l'huile, mais elle n'avait pas de vase. Elle devait prendre les vases avec les voisins. Donc, le vase représente ce que les autres ont que tu n'as pas, mais qui est indispensable pour ton élévation. Parce que Dieu ne donne pas tout à un homme, à lui seul. Dieu va veiller à ce que ce qu'il te faut pour avancer soit dans la main de ton frère.
Voilà pourquoi dans la loi de l'interdépendance, personne ne peut s'en sortir sans personne. Oh frère, soyez convaincus. Nous sommes ce que nous sommes parce que certaines personnes nous ont fait. Ah oui, personne n'est sorti d'un bois. C'est pourquoi quand tu réussis, il faut toujours dire merci, gloire à Dieu. Ah non, parce que certaines personnes, quand ils réussissent, ils changent leur biographie. Ils sont sortis, ils sont descendus du ciel. Non, même Jésus-Christ de Nazareth a eu besoin de passer par une femme. Voilà pourquoi on dit la femme, le voleur est passé par la fenêtre, mais Jésus dit, moi je suis venu par la porte. C'est une révélation très puissante. Quand Jésus dit, je suis venu par la porte, il veut dire, je suis venu par une femme. La femme est la porte sur le monde. Pourquoi le voleur est venu par la fenêtre? Parce qu'il a eu accès au monde sans passer par une femme qui représente la vraie porte. Aucun homme n'a le droit d'exercer sur terre sans passer par la porte. Celui qui essaie d'exercer sur terre sans passer par la porte, il est un voleur. Parce que sur terre, le droit d'exercer, c'est pour les hommes. Amen. Alléluia. La femme est la porte. Alléluia. Donc, il y a des vases dehors, mais ces vases appartiennent à d'autres. Maintenant, que représente le vase ou les vases que les autres ont? C'est ce qui a établi leur succès. Ce n'est pas le succès, mais c'est le principe derrière le succès qui est le vase. Par exemple, quelqu'un a réussi dans le sport, il a un vase. Quelqu'un a réussi dans la médecine, il a un vase. Quelqu'un a fait des publications scientifiques, il a un vase. Quelqu'un est expert dans un domaine d'activité, il a un vase. Le vase, c'est le principe derrière le succès. C'est ce qu'il a accumulé, qui est comme un principe établi que dans n'importe quelle sphère, sous n'importe quelle pression et température, tu peux appliquer et avoir le même résultat. C'est ça, le principe. C'est pourquoi il précise dans la parole, emprunte des vases vides. Parce qu'un vase ne s'emprunte pas plein, ça s'emprunte toujours vide. Pourquoi? Parce qu'un vase qui est plein, c'est le principe plus la personnalité. Si tu empruntes le principe plus la personnalité, tu deviens la personne. Mais Dieu ne veut pas que tu deviennes quelqu'un. C'est pourquoi il précise, prends seulement le vase. Fais à ce qu'il soit vide. Ça veut dire que ce soit le principe qui a aidé l'homme à réussir et non le principe et la personne elle-même. C'est pourquoi tous ceux qui viennent souvent me voir, pasteur, prie pour moi, je veux ton onction, je trouve que ce n'est pas trop sage. Parce que tu ne peux pas prendre mon onction, tu vas devenir moi. À la Pentecôte, là, quand l'Esprit est descendu, ce n'est pas un feu pour toutes les têtes, mais c'est un feu pour chaque tête. Amen. C'est très important parce que certaines personnes, à force de copier ou d'emprunter des vases, ont emprunté des vases pleins au lieu d'emprunter des vases vides. Donc, ils ont emprunté le système qui a aidé la personne à devenir et ils ont pris en même temps la personne elle-même. Donc, ils sont devenus la personne. Quand la personne parle, elle fait comme ça. Lui aussi, quand il parle, il fait comme ça. Donc, vous voyez, ça devient une photocopie. Mais comme la copie n'est jamais meilleure que l'original, il devient éternel second. Alors qu'un homme qui garde son originalité est premier. Voilà pourquoi nous pouvons être tous des leaders. Et ça ne gêne pas le Seigneur. Parce que quelqu'un qui garde son originalité est leader dans son domaine. Acclame Jésus si tu es content. Alléluia! Alléluia! Et voilà l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas comparer deux personnes, deux pasteurs. Ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer deux personnes. Parce qu'on ne court pas les mêmes courses. Comment peux-tu comparer quelqu'un qui court un 100 mètres à quelqu'un qui court un 200 mètres? Est-ce que c'est possible? On compare deux personnes qui courent la même course. Mais comme on n'a pas tous les mêmes courses, on ne peut jamais nous comparer. Donc la comparaison n'est pas utile. Et ce n'est même pas nécessaire. Tu es original. Dis à ton frère, tu es original ce matin.
et dis-lui quelque chose de bien. Dis-lui quelque chose de bien. Dis-lui, souviens-toi de moi dans ta gloire. C'est assez humble quand même de le dire. Il y a des gens qui ne veulent pas dire ça. Dis ça. Non, parce qu'il va quelque part. Et tu auras besoin de lui, mon frère. Cette femme devait aller emprunter des vases. Imaginez-vous si elle était en palabre avec ses voisins. Ça allait être compliqué pour son succès. Elle devait aller emprunter des... On dit chez tous les voisins. Tous les voisins ici indiquent que si c'est des compatriotes, ok, tu prends. Si c'est des étrangers, tu prends. Qu'importe le voisin, il faut emprunter des vases chez tous les voisins. Il n'y a pas d'exclusion chez tous les voisins. S'il y a un vase quelque part... Qui qu'il soit, prends le vase. Ça veut dire, quel que soit le domaine de discipline, quel que soit là où tu as besoin d'une connaissance pour devenir, n'hésite pas à prendre la connaissance. Élargissez-vous. Élargis l'espace de ta tente. Ouais, ce verset là, les gens lisent, ils ne font pas trop attention à ce verset. C'est plus tard, il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'a ouvert mes yeux. Vous savez, quand on lit souvent ce verset, comment on lit ça? Élargis l'espace de ta tente. Les gens pensent à la tente, c'est pas la tente. On dit élargis l'espace de ta tente. C'est pas la tente qui élargit, c'est l'espace qui élargit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez ce bâtiment est sur 600 ou 1000 mètres carrés. Pour agrandir ce bâtiment, on peut pas agrandir ce bâtiment sans agrandir l'espace. Donc c'est l'espace agrandi qui fera l'agrandissement du bâtiment et non le bâtiment. On dit élargis l'espace de ta tente. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire aucun homme ne peut devenir dans la vie sans aller à l'origine de ce qui a été sa fondation. En d'autres termes, les idées qui t'ont fait, si tu veux changer, tu vas à la base des idées qui t'ont fait pour élargir les idées là. Et toi, tu vas t'élargir. Mais tu ne peux pas t'élargir en laissant les mêmes fondements. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il insiste pour dire, tu as besoin de beaucoup de vases. Mais beaucoup de vases, c'est pour donner à cette femme-là une dimension intérieure qui n'a pas de limite. La connaissance est importante. Et Dieu m'a dit un jour, il n'y a aucun investissement que je fais dans la vie d'un homme qui est gratuit. Quand j'investis dans la vie d'un homme, j'en aurai besoin. Ça veut dire, quand il s'agit d'apprendre, quand il s'agit de s'exposer à la connaissance, n'hésite pas. Parce que dans tous les cas, Dieu en aura besoin. Ah oui, Dieu en aura besoin. Dieu en aura besoin. Emprunte beaucoup de vases. Élargis ta connaissance. Partout où il y a quelque chose qui peut t'aider, va. Mais comment tu peux comprendre qu'aujourd'hui, certains chrétiens se limitent à la parole de Dieu. Quand ils lisent, ils disent, moi je lis que la Bible. Ils pensent que ça fait spirituel, ça ne fait pas du tout spirituel. Parce qu'en réalité, la Bible te ramène à d'autres livres. Donc ils sont là et disent, moi je lis ma Bible, tous les jours je lis ma Bible. Oui, tu lis ta Bible, ce qui est une très bonne chose de lire sa Bible. Ah, je vous encourage à lire votre Bible, hein. Mais il est important également de lire des publications de gens qui ont réussi. Parce que derrière ce qu'il écrit, il y a quelque chose. Derrière tout succès, il y a un principe de base qui a aidé cet homme-là à devenir ce qu'il est. Et ce qui peut t'apporter... Même dans le sport, quand tu vois quelqu'un qui est premier, qui est le meilleur footballeur de sa génération, ce n'est pas par hasard qu'il est le meilleur. Il y a des choses qu'il fait. Qu'en tant que chrétien, tu peux récupérer. Dans la médecine, dans tous les domaines d'activité, il faut avoir une connaissance élargie. On parle d'actualité dans le monde, tu dois savoir ce qui se passe. Par rapport à l'eschatologie, quand on parle de la crise israélo-palestinienne, tu dois être informé. Quand on parle de Gog et Magog, quand on parle de toutes ces choses, tu dois pouvoir les situer dans le temps contemporain. Tu ne dois pas lire la Bible pour lire la Bible. Mais avoir un esprit ouvert. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui nous impose une demande.
une demande qui est de plus en plus élevée. On ne sera pas seulement des pasteurs, de gens qui ne savent pas où ils vont. Dans nos églises aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes. Moi, à mon église, il y a toutes sortes. J'ai des pharmaciens, j'ai des médecins, toutes sortes de personnes de certains niveaux. Vous avez des hommes d'affaires, des gens très intelligents, même dans l'église. Souvent même plus intelligents que toi. Mais oui. Mais oui. Donc tu vas avoir affaire à des gens assez aigus qui vont te parler, qui vont te demander des conseils. Frère, le temps de la médiocrité s'est passé. Ah oui, je vous le dis et je le redis. Il y a des choses qui vont arriver. Ah non? Tu sais, les gens ne vont pas te suivre pour tes beaux yeux. Ils ne le feront pas aujourd'hui, ils ne le feront pas demain. Ah oui! Même Jésus-Christ a été confronté à une demande importante. La Bible dit au miracle de Cana. C'est lorsque Jésus a élevé son niveau de compétence que les disciples crurent en lui. Mais lisez, ça veut dire qu'il marchait et qu'il ne croyait même pas. Les gens ne vont pas te suivre parce que tu es simplement leur cousin ou quoi. C'est pas ça qui compte. Élève ton niveau de compétence. Élève ta capacité à servir Dieu. Travaille, étudie, expose-toi pour que tu aies une profondeur. Dis amen. Dis amen. La capacité spirituelle. La capacité spirituelle, la force dans l'esprit se bâtit. Ce n'est pas une affaire de 5 ans de conversion. Ce n'est pas une affaire de 3 ans de conversion. C'est des choses qui se bâtissent. Quand je vois des gens aujourd'hui, ils savent lire Marc 1, verset 1, ou Genèse 1, 1, ils disent qu'ils sont pasteurs, ça me fait rire. Tu vas prêcher un mois, tu n'auras plus de message. Tu vas commencer à copier 10 messages des gens. Mais à un moment donné, ce sera juste des messages que tu envoies. Mais aucun impact. Parce qu'on prêche ce qu'on sait, mais on impacte ce qu'on est. Voilà pourquoi Dieu exige qu'on ait de la profondeur. Emprunte beaucoup de... Dis à ton frère, emprunte beaucoup de vases. Tu dois emprunter des vases, frère. Tu es dans un pays qui a des opportunités. Dieu ne t'a pas envoyé en France pour t'asseoir. Mais c'est pour emprunter des vases. Attendez. Tu penses que Dieu t'envoie ici, pourquoi? Pour emprunter des vases. Il y a des choses que les gens dans ce pays, Dieu veut que tu empruntes beaucoup de vases. Pour que si un jour tu retournes en Afrique, l'Afrique en bénéficie. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas sous-développé dans un pays développé. C'est important. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour t'asseoir et vivre le village. Si Dieu voulait que tu sois, si Dieu voulait que tu sois comme au village, il te laissera au village. Mais s'il t'a envoyé ici, c'est pour qu'il y ait un changement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia! Alléluia! Il faut que les choses changent. Dis amen avec moi. Étudie. Va à l'école. Expose-toi à la connaissance française. Il faut scruter. Il faut aller loin. Expose-toi. Sois un expert. À un moment donné, tu seras incontournable. Il dit à la femme, ne prends pas de petits vases, prends beaucoup. Ça veut dire, aussi loin que tes yeux verront, continue d'apprendre. Continue d'élargir l'espace de ta tente. Continue d'élargir l'espace de ta tente. Voilà pourquoi nous-mêmes, en tant que pasteurs, on est obligés d'étudier toujours. Parce qu'on va vous dire quoi si on n'étudie pas. On ne peut pas rester sur des anciens messages de 1800 et les réchauffer chaque matin. À un moment donné, le micro, on ne marchera plus. Il faut scruter. Il faut scruter. Dites amen.
la demande devient forte. Il faut répondre à la demande. En marketing, c'est la même chose. La loi de l'offre et de la demande. Nous allons dans un monde, frères et sœurs, où même l'évangile, si nous voulons que les gens acceptent notre évangile dehors, il faut bien faire le package. Sinon, les gens ne vont pas accepter. Quand Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, il a simplement dit ça. Mais comment tu vas, on va faire des nations des disciples, il n'a pas dit. À nous de réfléchir pour le comment. Ah. Il a dit seulement allez. C'est pourquoi je bénis Dieu pour des internet et pour ces choses. Mais il faut améliorer encore notre système. Et c'est possible, dites amen. Gloire à Dieu. Emprunte beaucoup de vases. Qu'importe la personne qui a le vase. Si c'est une femme, n'aie pas honte. Il y a des gens qui disent, non, moi, quand c'est une femme, mais non, je ne veux pas. Non, mon frère. Si c'est une femme, si elle a ce qu'il te faut, prends. Quand tu as fermé tes yeux pour prendre, prends. Le plus important, c'est de prendre ce qu'il te faut et avancer. Il y a une conférence des femmes, vous devez être tous là. Parce qu'il y a des choses importantes qu'elles vont vous transmettre. Tu sais, il y a des choses qu'elles ont pris 20 ans, 30 ans pour apprendre. Toi, en deux jours, tu les auras. Ne jouez pas avec la connaissance. Ne jouez pas avec la connaissance. Alléluia. Quand tu lis le livre d'un homme, derrière, il y a son esprit. Il y a ce qu'il a emmagasiné, toutes ses souffrances, toute son expérience que tu peux récupérer sans faire autant d'efforts que lui. Mais combien de gens lisent? Les Africains, ils n'aiment pas lire. En général, certains lisent. Augmente ton niveau de connaissance. Dis amen. Amen. Emprunte beaucoup de vases. N'emprunte pas en petite quantité. Emprunte beaucoup. Et j'insiste, peuple de Dieu, nous avons beaucoup d'opportunités pour changer notre monde, pour impacter notre monde. Le temps est venu pour que l'Église se lève et élève son niveau de compétence. Alléluia. Pour que le monde nous voie et nous craigne. Craigne le Dieu que nous servons. Mais comment ce monde va-t-il craindre le Dieu? Va-t-il craindre le Dieu que nous servons? Par quoi? Par l'évangile qu'on prêche? Non. Jésus-Christ est Seigneur, donne ta vie à Jésus. Il va te regarder comme ça, du haut jusqu'à bas. Il va dire ta chaussure, c'est quelle marque? Le pantalon, c'est quelle marque? La montre, c'est quelle marque? Si je dois être comme toi, suivre ton Jésus là, je risque d'être pauvre comme toi. Parce que les païens ne lisent pas la Bible. Tu es leur Bible. Quand ils te regardent, ça va, ils disent Jésus doit être bon. Ça ne va pas, ils disent ce Jésus là, je ne veux pas vraiment être comme la sœur. Vous comprenez? Cette femme doit sortir d'une situation. Regardez les instructions qu'on lui donne. Et c'est valable pour tout le monde. Et il dit, quand tu auras fini avec les vases, enferme-toi. On a une autre instruction. Quand tu as emmagasiné les instructions, enferme-toi. Parce que Dieu veut en faire quelque chose. Il y a un acte de foi maintenant que tu dois poser pour que les vases que tu as emmagasinés, comment transférer ton huile dans toutes ces vases-là afin que ton huile soit amplifiée. Parce que tu as l'huile, mais il est petit. Maintenant, comment faire pour que l'huile que tu as, qui t'appartient, qui est tout petit, s'amplifie et soit redimensionnée en richesse. C'est à cette étape-là qu'on s'enferme. Il dit à la femme, enferme-toi. Quelqu'un dit à ton voisin, enferme-toi. Il faut savoir t'enfermer dans la vie. Quand Dieu est sur le point de te faire passer d'un point A à un point B, très souvent, il te demande de t'enfermer. Pourquoi? Parce que le processus de transfert du niveau 1 au niveau 2 est mystérieux. C'est un acte de foi. Et cette femme devait s'enfermer parce qu'elle était sur le point de faire quelque chose que personne ne pouvait comprendre, si ce n'est elle et ses enfants. Comment avoir des vases? Imaginez cette salle remplie de seaux, de trucs, de canaries, tous ces trucs bizarres là, avec dans la main un petit truc comme ça. Si la porte n'est pas fermée et que quelqu'un passe, il va appeler la police. Pour dire, y a ma voisine qui devient un peu folle. Elle a pris des vases dans tout le quartier. Elle a sorti les fauteuils de la maison. Sa maison est remplie de vases. Et elle a un truc dans la main. Et elle est comme ça en train de crier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le temps que tu verses l'huile, les policiers t'ont attrapé, ton miracle a avancé. Alléluia.
il fallait qu'elle ferme la porte sur les gens du dehors, mais qu'elle ouvre sur ses enfants. Donc on ferme toujours la porte sur certaines personnes et on ouvre sur d'autres. On ouvre sur ceux qui comprennent la vision. Et on ferme sur ceux qui ne comprennent pas. Donc, elle a fermé sur ceux du dehors. En tant qu'enfant de Dieu, pour aller loin dans la vie, il faut savoir fermer la porte. Il ne faut pas s'ouvrir à tout le monde. Quand Dieu veut faire un miracle, tu es sur le point d'avoir un contrat, tu parles, tu parles. Et ma soeur, je ne t'ai pas dit, on m'a appelé, on m'a dit d'envoyer un papier. La soeur dit, ah. Cette soeur veut dire quoi? C'est elle, Dieu fait toujours des miracles dans sa vie. La mauvaise pensée est une attaque. Elle avorte ton miracle en même temps. Ce n'est pas tout, on dit. Cette femme qui avait perdu son enfant, vous connaissez, c'est qui? Cette dame. Son mari, son propre mari lui a demandé, mais tu vas où? Matin, bonheur, comme ça, tu as fait les chevaux, tu vas où? Elle dit, tout va bien. Je vous assure que si elle avait dit à son mari, le temps d'aller voir le prophète de revenir, l'enfant était déjà enterré. Elle aurait enterré, l'enfant, le monsieur aurait enterré l'enfant. Lui n'a aucune foi. Il était avec l'enfant quelque part là-bas, puis l'enfant pleurait pour dire ma tête, ma tête. Il ne comprend rien dans le processus. Il ne sait même pas comment l'enfant est venu. Elle a couché l'enfant sur le lit du prophète. Elle allait chercher le prophète. Le mari lui a demandé, elle aurait pu dire, ah, l'enfant est mort. Le mari allait faire du tapage dans le quartier. Mais elle n'a pas dit au mari parce qu'elle connaissait son niveau de foi. Ce n'est pas tout on dit. Il faut savoir fermer un peu la porte. La porte là, c'est un peu ici aussi. Alléluia. Ce n'est pas tout on dit. On dit pas tout. Il y a des choses. Dieu va te dire, ferme ta bouche. Parce que je suis en train de travailler. N'en parle pas. Quand je vais finir, tu vas en parler. Pour ne pas qu'il y ait des interférences. Elle a fermé la porte. Pourquoi? Pour un acte de foi. Elle devait verser l'huile. C'était un acte de foi. Elle devait croire. Et la Bible dit, à un moment donné, quand elle a vu le premier vase rempli, elle s'est dit, mais ça marche. Elle a rempli tous les autres vases. Et enthousiaste comme elle était, elle demande à son fils, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre vase? Le fils lui dit, mais maman, il n'y a plus de vase. Et la Bible dit, lorsqu'il fut constaté qu'il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. Mystère. L'huile s'est arrêtée. Ça veut simplement dire, lorsqu'il n'y a plus d'espace dans la vie d'un homme, Dieu aussi s'arrête. Lorsque l'espace que tu lui donnes n'est plus assez, Dieu s'arrête. Voilà pourquoi il a précisé, prends beaucoup de vases. En d'autres termes, crée-toi beaucoup d'espace. Apprendre, c'est se créer de l'espace. Apprendre, c'est s'élargir à l'intérieur. S'exposer à la connaissance, c'est s'élargir, c'est s'étirer dans tous les sens. Dites amen. L'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus d'espace pour que ça coule. Je prie que Dieu ne s'arrête pas parce qu'il n'y a plus d'espace dans ta vie. Mais que Dieu ait toujours de la place dans ta vie. Alléluia. Alléluia. L'huile s'est arrêtée. Frère, c'est tragique quand l'huile s'arrête de couler. Dieu est là, mais il ne peut plus rien faire. Et dans la vie de plusieurs, Dieu est là. On dit, il est où? Il est là, mais il ne peut plus rien faire. Parce que Dieu a besoin d'espace pour se mouvoir. Crée de l'espace ce matin dans ta vie. Donne à Dieu la capacité d'agir. Vous voyez que c'est banal. C'est aussi banal que ça. Quelqu'un qui se ferme, qui est carré dans ses idées. On dit ça, il dit non, moi je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Tu n'es pas comme ça, tu es devenu comme ça. Tu peux redevenir autre chose. Un homme qui est carré, qui ne veut pas apprendre. On dit, ma soeur, on ne fait pas comme ça. Il dit, ah, moi j'ai été élevé comme ça. C'est une façon d'arrêter Dieu. Parce que Dieu veut se mouvoir. Mais là où les choses sont figées, là où il n'y a pas de flexibilité, Dieu ne peut pas se mouvoir. Ce matin, tu as besoin de faire de l'espace pour Dieu dans ta vie. Elle a fermé la porte. N'oubliez pas qu'elle a emprunté des vases vides. Le système
ce qui a aidé les autres à devenir. Et elle a laissé eux-mêmes. Je dis toujours aux gens à l'église, vous ne pouvez pas devenir moi. Si vous devenez moi, on ne peut plus rien s'apprendre. Parce que c'est dans la diversité qu'on s'enrichit. Tu viens me voir, souvent il y a des jeunes pasteurs qui viennent pour dire, ah pasteur, comment tu fais? Et puis l'église, ça va et tout. Comment tu fais? Comment? Pasteur, vraiment, prie pour moi pour que l'onction là. Ce n'est pas une... Comment? Je t'explique comment. Tu es prêt à te réveiller tous les matins à telle heure? Tu es prêt à payer ta dîme? Parce qu'en tant que pasteur aussi, il faut payer sa dîme. Tu es prêt à faire un certain nombre. Quand tu étales à ces jeunes gens tout ce que tu es obligé de faire, ils disent, oh pasteur. Non, moi je crois que c'est une affaire d'onction seulement. Tu mettais la main sur moi, tu me transfères la double portion et puis c'est fini. Non, si je te donne mon onction, tu vas devenir moi. Parce que mon onction, c'est pour moi, ce n'est pas pour toi. Mais je peux t'expliquer ce qui a aidé mon onction à s'amplifier et à faire de moi ce que je suis. Et si tu sais, le principe, il est universel. Tu sèmes, ça pousse. Que tu sois en Chine, à Paris, en Afrique, tu sèmes, ça pousse. C'est un principe qui est universel. Le principe, il est têtu. Donc, prends le système, prends le principe et laisse la personne. Parce qu'à un moment donné, quand Benny Hinn a commencé son ministère, beaucoup de jeunes pasteurs ont aimé le ministère et ils ont emprunté le vase de Benny Hinn. Malheureusement, ils n'ont pas emprunté le vase vide. Ils ont emprunté le vase avec l'huile de Benny Hinn. Donc, ils sont devenus des Benny Hinn bis. Quand ils sont sur le podium, ils marchent comme ça. Après, ils enlèvent la veste. Tu as besoin d'emprunter seulement le vase, pas l'huile. Dis à ton frère, ne prends pas l'huile de quelqu'un. Ton huile, c'est pour toi. Tu es spécifique, tu es toi-même. Garde ta différence, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Tu sais, à un moment donné, quand tu vas t'accepter dans ta propre différence, les autres vont t'accepter. Oui, ils vont finir par t'accepter. Hein. Au début, ce sera difficile. Parce que les gens n'aiment pas tout ce qui est nouveau. Ils sont frileux quand ils ne sont pas habitués à quelque chose. Mais avec le temps, ils s'habituent. Et puis, ils acceptent. Et ça devient un modèle pour eux. Mais c'est parce qu'à un moment donné, toi-même, tu as cru. Si tu refuses de croire en ta personnalité et que tu crois que c'est la personnalité de quelqu'un qui peut t'arranger, tu vas te dénaturer. Garde ta force. Amen. La Bible dit, lorsque les vases furent pleins, elle a fait quoi? Elle est retournée voir le prophète. Ça, c'est une autre instruction importante. Dans le processus de la réussite ou de changement de saison, il faut toujours revenir à la source, la reconnaissance. Quelqu'un dit avec moi la reconnaissance. Oh, la reconnaissance est très importante, frère, pour toute personne qui veut voir sa vie aller de l'avant. Les 10 lépreux, quand ils ont été guéris, la Bible dit seulement un est retourné vers Jésus. Jésus a demandé, parce qu'il s'attendait à ce que les 9 reviennent. Où sont les 9 autres? Il y a peu de gens reconnaissants aujourd'hui. Je prie Dieu que tu sois un homme reconnaissant. Quel que soit ce qu'un homme fait dans ta vie, sois reconnaissant. Petit soit-il, sois reconnaissant. Dieu va ajouter encore à ta vie. Les hommes ingrats, les hommes qui sont orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Ne marche pas avec quelqu'un qui parle avec trop de je. Quand quelqu'un aime trop je, c'est quelqu'un qui n'est pas loin d'être frappé. Méfie-toi, si tu es trop proche, tu risques d'être frappé aussi. Donc va loin. Ah oui, Dieu hait les orgueilleux. Parce que Dieu a fait le monde de telle sorte que tout soit lui et personne d'autre. Voilà pourquoi l'humilité, c'est la sagesse. Parce que finalement, les événements les plus importants de ta vie, tu n'es pas témoin. Ta naissance, tu n'es pas témoin, c'est d'autres qui t'assistent. Ton mariage, tu n'es pas témoin, c'est d'autres qui t'assistent. Ta mort, tu n'es pas témoin, c'est d'autres qui t'assistent. Voilà les 3, il n'y a pas autre. Dis-moi, parmi les 3, laquelle tu es témoin? Toi-même, tu es là et puis toi-même, tu fais. Donc, pourquoi être orgueilleux? Tu es né, c'est des gens qui t'ont pris, qui t'ont frappé, tu as pleuré un peu. Qui ont coupé et qui t'ont emballé. Le jour où tu te maries, tu ne contrôles rien. Tout le monde te tire, si ça te tire, si on dit salut, si tu salues.
Le jour où tu t'en vas aussi, c'est d'autres qui te prennent, qui te mettent dans des trucs, ils t'ont lavé, ils t'ont pas lavé, tu ne maîtrises rien. Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi être orgueilleux? Voilà ce que Dieu a fait. Vous allez comprendre pourquoi Dieu n'aime pas l'orgueil. Quand quelqu'un pense qu'il l'est, automatiquement, il commence à ne plus devenir. Je peux rien sans toi, tu ne peux rien sans moi. On est ensemble. J'aime bien, ton pasteur aime bien ce mot, on est ensemble. C'est profond. Alléluia. Très profond, très très profond. Elle est allée voir le prophète et le prophète lui donne maintenant des instructions claires. Il lui dit, va et vends l'huile. C'est important. Voyez que cette femme avait juste un petit pot d'huile. Maintenant, elle a une usine d'huile. Une usine. Elle en a beaucoup. Le prophète lui dit maintenant, va et vends l'huile. Pourquoi elle doit vendre? Parce que là où l'huile est arrivée, elle n'a pas de choix que de vendre. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Si tu donnes la possibilité à Dieu de te redimensionner, de te donner de la profondeur et de te donner de la substance, tu vas arriver à un point où tu n'es plus un problème, tu deviens une solution pour plusieurs. Et là, ce n'est plus cadeau, on t'achète. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens manquent de finances. Parce qu'un homme prospère, c'est un homme qui devient une solution. La prospérité vient quand on a découvert un certain nombre de choses. On permet à Dieu de les amplifier et elles deviennent pour plusieurs une solution. Les gens payent pour l'avoir. Donc il lui dit maintenant où tu es arrivé, les gens auront besoin de toi parce que tu as une usine. Partout dans la sous-région, à Jérusalem, quand on aura besoin d'huile, on viendra avec toi. Vends l'huile. Tu as payé le prix pour. C'est ce que le prophète lui disait. Amen. Aujourd'hui, personne ne demande après toi. Que tu sois absent ou pas, ça ne fait rien du tout. Mais à un moment donné, quand tu vas commencer à permettre à ton huile de s'amplifier parce que tu as beaucoup emprunté, si tu rates un dimanche, même si tu viens en retard, on va sentir. Vrai ou faux? Quand tu vas t'absenter une seule fois, on saura que tu n'es pas là. Pourquoi? Tu es devenu une solution. Tu as tellement emmagasiné que les gens, le monde a besoin de toi. Les gens vont venir te supplier ici à Paris pour dire, est-ce que tu peux venir pour 30 minutes à New York, conférence? On paye pour entrer. On va payer, pardon. Et tu vas dire, non, je veux faire gratuit. Ils vont te dire, non, il y a trop d'hommes. Nous, on va payer, on va payer. C'est pourquoi des gens comme T.D. Jakes, de ces hommes de Dieu, même les Mathieu Ashimolo, on ne les déplace pas comme ça. Souvent, ça choque. Parce qu'on dit, mais ces hommes de Dieu, là, ils coûtent cher quand on les déplace. Mais c'est normal, leur huile s'est amplifiée. Le prophète a dit, quand ça s'amplifie, on vend. Ça ne veut pas dire, écoutez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre ce que Dieu a dit, ce que tu as reçu gratuitement, il faut le donner gratuitement. Mais je dis, à un moment donné, tu auras tellement reçu que c'est les gens qui vont venir te supplier pour dire, on veut payer, donne-nous. Parce qu'eux aussi, ils ont compris le principe que tout ce qui est gratuit n'est pas bon. C'est pourquoi David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Exercez-vous. Il y a quelque chose que vous avez, que Dieu veut donner du volume à cette chose. Dieu veut vous élargir. Tu peux ne pas être bon prédicateur, mais il y a quelque chose que tu es bon dedans. C'est ça qui va te faire un chemin. Tu peux ne pas être bon protocole, mais nettoyage, tu es impeccable. Et ça là, quelqu'un va t'identifier dans la salle, c'est ce qui va t'envoyer au palais. Donne la possibilité à Dieu de donner du volume à ce que tu as. Cette femme, son huile a eu du volume. On lui dit maintenant, va et vends l'huile. Mais pourquoi il lui demande d'aller vendre? C'est ce que tu dois comprendre. Il dit, va et vends. Vends l'huile. Et quand tu as vendu, paye tes dettes. Parce qu'il y a toujours des dettes à payer. Voilà pourquoi à un moment donné, l'huile se vend. Il y a toujours des dettes à payer. La première personne à qui tout être humain doit, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dépose l'huile dans la vie d'un homme. Donc quand Dieu t'a béni, quand tes affaires vont bien,
Il faut toujours te souvenir que celui qui est à l'origine de l'huile qui t'a fait prospérer, c'est Dieu. Donc, à Dieu ce qui revient à Dieu et à César ce qui revient à César. Qu'est-ce qui revient à Dieu? Paye ta dîme. Paye tes offrandes. S'il te plaît. Je te parle en tant que pasteur. C'est, je suis honnête avec toi. Parce que je dirige une église. Et avec le temps, on a appris beaucoup de choses. Paye ta dîme. Aucun homme n'est prospère de façon tangible sans payer sa dîme. Quelles que soient les théories que les gens racontent, fais ta part avec Dieu. Rends à Dieu ce qui lui revient. C'est un témoignage, une reconnaissance pour dire, Seigneur, je suis ce que je suis. J'ai ce boulot que j'ai. Parce que tu es Dieu. Voilà pourquoi je t'apporte ces 10% pour te reconnaître, pour être reconnaissant. Un homme qui ne paye pas sa dîme, c'est une façon de dire à Dieu, Seigneur, c'est par mes forces que je fais tout. C'est le langage que tu lances à Dieu quand tu ne payes pas ta dîme. Parce que la dîme, c'est sur les œuvres de tes mains. Paye tes offrandes. Soutiens l'œuvre. Il ne faudrait pas qu'on te supplie. Moi, la plus grosse bénédiction que j'ai reçue dans ma vie, c'est en faisant un don. La première fois que j'ai été béni, et moi-même je tremblais sur mon bureau, j'étais là, je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je vous assure, c'est sérieux, hein? Je tremblais. Je suis honnête avec toi, je tremblais. J'ai dit, mais ah, est-ce que les gens là, c'est pas pour me créer des problèmes qu'ils sont venus me voir? La femme pleure, le monsieur est fâché. Je leur demande qu'est-ce qu'il y a, ils disent non, on n'est pas content. Mais ils ne me disent pas pourquoi ils ne sont pas contents. J'ai dit, mais j'ai fait quoi? Ils disent, non, pasteur, tu n'as rien fait, mais ce que Dieu vient de nous dire, là, nous fait mal. J'ai dit, mais Dieu vous a dit quoi? Il dit, non, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Toute notre vie, on a travaillé, on a eu beaucoup de richesses. On a construit une maison. On vient de finir la maison. Un triplex de 3 niveaux. On a tout fini. On doit déménager la semaine prochaine. Et pendant qu'on était assis, Dieu nous dit de te donner la maison. Et il a dit à ma femme, et il m'a dit. Et quand on s'est interrogé, c'est la même chose. Voilà pourquoi on est fâché. J'ai dit, c'est sérieux? Ils disent oui. Pasteur, tu es là demain? J'ai dit oui. Il dit, bon, on t'envoie tous les papiers de la maison. On veut se débarrasser de ça pour ne pas avoir de problème. J'ai dit, Seigneur, même si j'avais travaillé toute ma vie, ça là, je ne peux pas construire ça maintenant. Frère, qu'est-ce que je veux vous dire? Dieu peut changer la vie d'un homme. Mais avant ça, il y avait une semaine avant, j'avais un besoin. Et j'ai dit, Seigneur, quand j'ai un besoin, souvent je ne demande pas d'argent. Souvent quand je sens que je commence à avoir un besoin, je cherche quelqu'un vers qui aller semer. Donc je suis allé vers un papa, un père qui fait un bon travail dans la ville. Et je suis venu, j'ai dit, je vais te bénir. Et j'ai pris tout ce que j'avais, j'ai tendu. Et j'ai dit, il faut me bénir. Et il a pris l'enveloppe et il a dit, tu viens me donner cet argent-là? J'ai dit oui, et puis il a prié pour moi. C'est la semaine qui a suivi, ça s'est passé. Paye tes dettes. Donne à Dieu ce qui lui revient. Deuxième, quand tu as rendu à Dieu, il faut rendre aussi à ton prochain. Parce que l'huile vient de Dieu, mais les vases, c'est pour les amis qui sont dehors. Donc tu vois que dans le processus de ton succès, il y a Dieu qui te donne l'huile. Et à les vases que tu empruntes chez les autres. Donc finalement, tu dois à tout le monde. Tu dois à Dieu et tu dois aux hommes. Voilà pourquoi il faut savoir faire du bien quand Dieu te bénit. Il faut savoir aider les gens qui t'ont aidé dans la vie. Il y a des instituteurs ou un maître ou un professeur dans ta vie qui t'a marqué, qui t'a vraiment aidé dans ta vie. Il faut le chercher là où il est. Un jour, on te dit, il est dans un village quelque part. Envoie-lui une ressource financière. Bénis-le. Il va dire, mais j'ai eu beaucoup d'élèves. Je ne sais pas qui tu es, mais toi, tu sais ce qu'il a été pour toi. Il y a des gens qui passent dans ta vie pour une journée, pour 2 jours, mais qui laissent des traces pour la vie. Ne pas savoir reconnaître, c'est tronquer une partie de ton histoire et ça te ramène en arrière. La reconnaissance est importante. Vous êtes ici en Europe, gloire à Dieu, soyez reconnaissant,
vis-à-vis de vos parents qui vous ont aidé. Ne vis pas dans le luxe. Et quand on rencontre tes parents, ta maman, la pauvre, elle est vieille, elle n'a même pas de courant dans sa maison. Et toi, tu es ici dans toutes les voitures, tu changes chaque semaine. C'est une malédiction. Il faut être reconnaissant dans la vie. La reconnaissance est ce qui élève. Dieu hait les gens qui ne sont pas reconnaissants. Waouh! Un jour, on aura l'occasion d'en parler. Et de la reconnaissance pour Dieu. Je vais vous citer près de 12 raisons pour lesquelles un homme qui n'est pas reconnaissant peut même rater le ciel. Et des raisons bibliques. Hein. Nous allons voir point après point. C'est terrible de ne pas être reconnaissant. L'autre ne l'a pas été. Vous savez comment il a fini? Comment toi, ton oncle te prend pour sortir? Il y a un problème, tu peux pas dire, oh, oncle Abraham. Dans tous les cas, c'est dans tes affaires que je suis venu. Tu as chargé tes bagages, je me suis caché dedans. Moi, Dieu ne m'a pas appelé. Mais grâce à toi, je suis sorti. S'il y a un problème, décide. L'autre n'a même pas dit ça. Quand son oncle a dit, ok, on se sépare. L'autre a levé ses yeux. Il a pris tout ce qui était beau. Abraham l'a laissé faire. Mais quand il a fini, Dieu dit à Abraham, maintenant toi tu peux lever la tête. C'est mieux que Dieu te demande de lever la tête. Il dit, même ce que l'autre a pris t'appartient. Mais Abraham, avec de l'amour, quand ça a chauffé à Sodome, il a intercédé. Il a été avec cet homme. La reconnaissance. Cette femme a été reconnaissance vis-à-vis du prophète. Il dit, vends, paye tes dettes et vis du reste. Vis du reste, ça veut dire quoi? En fonction du nombre de vases qu'elle aurait pris ou qu'elle avait pris, serait son reste. Donc, le reste est proportionnel au degré d'information auquel tu es prêt à t'exposer. Au degré de profondeur que tu es prêt à faire. Elle a dû regretter à la fin. Parce que imaginez-vous si le reste était peut-être 1000 euros. Elle se dit, mais j'aurais dû prendre beaucoup de vases. Même sur le toit, même dans le WC, j'aurais dû mettre des vases partout pour que j'ai assez de reste. On dit, paye ta dette, ou bien vends, paye ta dette, vis du reste. Qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui dans l'église? On vit du reste avant de payer les dettes. Vivre du reste vient en dernière position. Quand Dieu te bénit, la première chose, c'est d'abord les dettes. Ce n'est pas vivre. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Ce matin, qui est béni? Et lorsque cette femme a fait ce que le prophète lui a indiqué, sa saison a changé. Elle est passée de rien à une femme prospère qui avait maintenant une entreprise, qui avait des ressources, qui a payé ses dettes et qui avait tout. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais si seulement tu peux suivre ces étapes, ta vie changera. D'abord, tout commence par le choix des questions. Quelles questions décides-tu de choisir ce matin? Que puis-je faire pour toi? Ou qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'as-tu à la maison? Tu préfères que je t'apprenne à pêcher que de te donner du poisson. C'est mieux, non? Tu as quelque chose ce matin sur lequel Dieu peut s'appuyer. Identifie ton don. Identifie ton miracle. Identifie l'huile que tu as dans ta vie. Appuie-toi sur cette huile. Emprunte dehors. Parce que tu as l'huile, eux ils ont les vases. Prends leur vase pour donner de la dimension à ton huile, pour redimensionner ton huile. Quand ton huile est redimensionnée et amplifiée, va, sois reconnaissant au prophète, vends l'huile, paye tes dettes. Et vis du reste. Tu es sur le chemin de la grandeur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Il est Dieu, il est Seigneur, alléluia. Ta vie est sur le point d'être transformée, frère. Ta saison est sur le point de changer. Quel que soit ce que les hommes ont dit, la saison changera, dis amen. La saison changera, dis amen. Cela ne dépend pas d'un homme. Cela dépend de toi ce matin. Alléluia. On va se lever pour prier le Seigneur. Élève les mains vers le ciel.
parle à Jésus. Prie le Seigneur et demande la faveur de Dieu. Dis, Seigneur, ce matin, ma saison dépend de moi. Le changement de ma saison dépend de moi. Je fais le choix de répondre aux bonnes questions de la vie afin qu'il y ait un changement. On va prier le Seigneur et lève la voix et parle à Jésus ce matin. Identifie dans ta vie le talent, le don, l'huile que tu as déposée qui fera la différence. Il y a une qualité que tu as. Il y a une force que tu as. Garde ta spécificité. Garde ta différence. Appuie-toi sur tes forces et tu accompliras ta destinée. Prie le Seigneur ce matin. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons ce matin pour ta fidélité. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Seigneur, tu as un plan pour ce peuple. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, je déclare par la puissance du nom de Jésus, qu'aucun ne ratera sa destinée. Merci parce que tu leur donnes d'identifier leur huile. L'huile, Seigneur mon Dieu, qu'ils n'ont pas perdu. L'huile sur laquelle tu t'appuies pour changer les destinées, pour changer les saisons. Éternel Dieu d'Abraham, je commande, quelles que soient les saisons sous lesquelles le peuple de Dieu se trouve, ce matin, par les choix que nous faisons, nous changeons les saisons. Nous changeons les saisons. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Parle à Jésus ce matin. Oh Dieu. Yadaba sakada baba baba. Oh alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te bénissons parce que tu es Dieu ce matin. Oh Seigneur, change la saison de quelqu'un dans cette salle ce matin. La prière que tu vas faire, tu vas prier pour ton voisin à côté de toi. Nous sommes interdépendants. Tu as l'huile, il a le vase. Ce matin, là où se situe le vase qu'il te faut, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses posséder le vase et amplifier ton huile. Tu vas prendre la main de ton voisin à côté et tu vas prier avec lui. Nous sommes forts ensemble. Élevons la voix et prions le Seigneur, tout le monde. L'obakanda baba 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 baba. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons. Parce que tu n'as pas de faim. Oh Dieu, merci pour ce peuple. Merci pour la loi de l'interdépendance. Merci parce que tu ouvres les yeux de nos enfants. Là où se situe les vases, aide-moi à le posséder. Au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Pour Rimaka.
Tu es bon, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Jésus. La dernière prière. La dernière prière. Nous allons prier pour les responsables d'ICC. À commencer par le premier responsable, le pasteur Yvan. Vous savez, quand Dieu vous donne un homme, c'est un don. Nous allons prier que Dieu bénisse cet homme. Que Dieu l'aide, que Dieu le fortifie. Que Dieu l'aide à aller aussi loin. Que ce que nous voyons aujourd'hui soit juste le commencement. Que Dieu se tienne pour lui. Que Dieu soutienne tous les pasteurs qui sont avec lui. Les femmes des pasteurs, les ministres, les ouvriers. Que Dieu bénisse cette église et que cette église demeure une locomotive dans la francophonie. Prions le Seigneur. Élève la voix et prie, s'il te plaît. Prie, 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 prie. Oh, Jesus. Nous te bénissons, Yahweh. Reçois la gloire. Seigneur, nous te confions ton serviteur, pasteur Yvan. Là où se trouve, fortifie-le, encourage-le, soutiens-le. Lui et ses collaborateurs, bénis-le, Seigneur. Qu'il soit le modèle pour plusieurs. Oh Dieu. Seigneur, ton église. Fortifie ton église. Qu'elle soit et elle demeure la locomotive, Seigneur. Merci, Seigneur, de te tenir pour ton serviteur. De bénir ses collaborateurs. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de changement de saison ce matin. Que le ciel soit ouvert. Sang de Jésus, reçois la faveur pour un ciel ouvert. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer?